Bon, la compo en face. En vrai, je sens que ça va être Brobbier quand même. Je pense que ça va être plutôt simple en vrai. Va falloir rush les Mercures contre ça, à mon avis. Ouais, Mais c'est bah là tu fous le full Mercure. cancer, hein, franchement. En fait, Senna c'est de la peine d'armure en fait. Genre elle tape avec Black Cleaver et tout, donc tu t'en bats les couilles, en fait tu fais juste fous les mers et c'est free game. Ouais. Cascada au bout du rouleau, Mercure, tout ce que tu T'as veux. check les stats d'Evelynn? Non, j'ai pas regardé. Par contre, Honnêtement. Kassadin level 39, ça peut faire mal, hein. Franchement, les stats, hein, c'est plus du poison qu'autre chose. C'est vrai Alors, qu'il faut pas être pour un. trop. Non, mais c'est important quand même de check. Ça peut donner 120 des games, infos. 57% de rate. Ça passe. Ça Ouais. passe. Ah, du haut mid jungle. Hein. Comme nous, en fait. Alors, Je vais que se Google. passe-t-il? Mec, j'ai mon. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je fais tab, mon machin est décentré, je ne sais pas pourquoi. Ok. Petit bug graphique, ça arrive. Tu rachètes. Unlucky. Unlucky. Ok. Bon. T'es contre. Ah, tu joues Kayle. Oulala, on va se barrer, hein. Ah, mais Kayle, le perso qui peut jouer AD ou En AP, vrai, c'est la même chose. est-ce qu'on peut pas les bolos là? Non? Je pense en vrai. Je pense qu'on gagne. Je sais pas, j'ai pas vu s'ils étaient vraiment beaucoup, mais j'ai Y a un pas Urgot. Le doute. problème, c'est que s'ils sont 5, on perd, quoi. Moi j'en ai vu que 3, mais bon. Je me suis Là. demandé si j'aurais pas dû y aller dedans en mode de tigre direct et. Ouais, non, laisse. Mais bon. J'étais pas là, il y avait pas Urgot aussi. Hein. Prends pas de risque. T'as par contre, j'ai failli trash talk ton skin, j'avais pas vu que c'était toi qui jouais Kayle. Il est bien, ce qu'il en est. Je sais pas, je trouve que toute la lignée psycho-guerrier là c'est pas ouf, mais. Justement, tous les psychos, je les trouve moches, mais celui-là, il est bien. Sauf Kayle, ouais, Surtout les peut-être. options. Peut-être bien. Les ailes, elles sont bien stylées, je trouve. Peut-être. Mais elle a des jolies skins, Kayle, je trouve. Bon, bah, Ouais, qui a déjà le. Urgot qui me chie dessus encore. Alors, par contre, là, je crois que j'ai pas ping que je startais au bleu. Bon, c'est pas grave, là, j'ai eu dire. Donc, c'est NP. Déjà, le skin de base sur Kayle, il est vraiment super beau, déjà. Tu trouves? Ah ouais, il est vraiment super beau. Bah, De base, pas trop, mais en fait, vu que. le design du perso est chouette à la base, en fait. C'est ça. Et puis en plus, vu qu'elle a trois évolutions d'apparence, dans tous les cas, sur les levels. Tout à fait. De toute façon, au bout d'un moment, tu ne la vois plus parce que dès qu'elle est dans ton écran, tu es mort. Donc, bon, ça règle une partie des problèmes. Fatalement. C'est sûr. Bon, je t'avoue que j'ai pas trop envie de jouer aggro là avec Evelynn. Mais j'ai mis un slow push. Il fait mal. Il a commencé quoi? Doran Shield? Il fait aussi mal que ça? Ok. Il y a moyen que je fasse gank level 3 si tu veux venir en counter. Je préfère pas trop perturber mon early et faire raid into carap et après le carap je pourrais être opérationnel. Vas-y. Tu me dis, je joue en fonction. Là, je joue de ton côté. Mais te préoccupe pas trop de moi pour l'instant, hein. Je suis en mode farm focus. Et non, mais du coup, si tu joues pas. Enfin, si tu comptes pas gank, je vais jouer plus safe quoi. Yep. Boosté, hein. Je passe sur le bot side, je chope le carap et j'arrive. Vas-y. Ça a l'air de jouer limite un peu aggro en face, y a pas de ward. Bon, moi je vais me taper un petit bug là. Je vais sans Gimblade, je pense. Hop. Nice, mais c'est ça qu'on veut voir en fait. C'était full free, hein. C'est bien, le Rakan il a bien réagi. Alors par contre là Evelynn a chopé le carap du coup ça me fout un peu le démon mais. On va top. T'as reset toi? Ouais, moi je vais me prendre le Kassadin dans le nez, Oui. on va faire gaffe. Bon, y a pas de. En vrai, je le bute. Oh, il est tranquille. Niveau De toute 4, façon, pas de Kassadin en rally, mana. c'est de la merde. Hein. Tant qu'il a pas son spike, premier item, hein, genre roi, quelque chose comme ça. Tu peux la freeze là, s'il te plaît? Merci. Oui. Parfait. Voilà, elle est bien là. Nice. Ça fera Merci, 4, Yamura. 90 000 kama comme un craft. Allez, je te fais un petit virement de gold là. Je peux te dire que mes crafts à 90 000 kama ils font couler de l'encre. Hein. Écoute, je sais pas, C'est de toute quelque façon, chose. je Hein. t'en commanderai pas parce que je joue pas donc. T'as bien raison. Ok, le Urgot qui engage la top side. J'hésitais à y aller, mais. Le mec n'a pas de mana, il engage en fait, j'ai pas trop compris.
Après c'est Virgote, hein, ça rentre dans le tas, ça se pose pas trop de questions. Bah là il a juste pas de mana, pas de vie en fait, je sais pas ce qu'il fait mais... Bah je comprends pas, surtout qu'il y a une Evelynn quand même, je vais le ping parce que... Bah faut que je reset pour le Drake. Ok, Kassa en est revenu, il est en retard un peu. Je vais avoir un slow push donc je peux prendre la préo. Ok, Evelynn top. Evelynn top, elle a pas back, elle est un peu perdue. Ouais, en seconde hein, on peut jouer Drake. Elle veut continuer à être topside là, l'Evelynn, elle va sur les golems. Tu veux le jouer? Bah je reset et je rush le Drake moi, de toute façon. Vas-y go. Vas-y go, je vais te mettre la vision là, déjà. Là j'ai plus de mana donc j'ai un bon bug, j'ai pris le Kirab top finalement et j'ai récupéré un killbot donc en first blood en plus. Je te set up la vision voilà. Je vais pas te cacher que je suis riche, hein, je croule sous l'argent évidemment. Nice. En plus le Drake là il est cool pour toi, c'est pas mal. Et ce serait bien que Kassadin ne l'ait pas, donc on va éviter de leur laisser. De toute façon. Quand il passe level 16, il aura son R toutes les deux secondes. T'as une bonne prio là. Tu peux venir le faire avec moi si tu veux. Ouais, je peux, ouais. Problème, c'est qu'il faut que je repêche une wave avant, sinon je vais être dans la merde. Ou sinon, tu peux me laisser solo. Si tu me sécurises, en vrai, je le solo. Je t'ai mis toute la vision de toute façon. Je vais passer 6 bientôt, donc au pire des cas, tu cours. Tu cours sur moi et je te solo. Nickel. De toute façon, Evelynn va bon level 4, y'a pas trop de. Y'a pas trop de problems. Pour l'instant, il me pète les gueules. Ok, Evelynn mid. Si t'es en difficulté, viens vers moi. Moi, je tombe beau. Ok, je meurs, mais tu fais les deux, je pense. Non, non, il a pris l'ulti sur ta mort. Il a pris le level 6. Ma flashine. J'aurais peut-être dû plutôt focus Evelynn, du coup. C'est peut-être mal. Je pense que c'est du pareil au même, c'est my bad. Je m'attendais à ce qu'il crève instant le Kassadin, en fait, mais. Ouais, j'étais peur. En fait, le problème c'est qu'en fait le E de Evelynn elle me suit en fait à travers le flash. Du coup, j'ai mal calculé ça et je me suis tué quand même. Ouais, effectivement. Bon, overall c'est quand même pas mal, on prend le Drake. Mais Là, je vais passer 6. Nice, je suis 6. En vrai, je vais rush en face. Un kill sur Evelynn c'est pas trop grave. Le ouais, vas-y, je push. Je vais avec toi. Bah, c'est relou quand même, Evelynn. Bon. Après, je sais pas s'il vaut mieux Evelynn ou Kassadin le kill, mais ça casse un peu les couilles quand même. C'est Evelynn. T'as de l'info sur Rêve là, tu sais où elle est? Non, aucune info. Mais je pense qu'elle va botter, non ouais. Ok, j'ai pris son raid, ça c'est pas mal. Ah, ok, elle est là. Oh, elle est là, en vrai, je vais la boloss. Elle est morte. Hein. Vas-y, je te boost. Nice. GG à toi. Alors, j'avais bien voulu la plante, mais MP. Je vais allègrement aller me faire enculer, y'a aucun souci. C'est vraiment super. Bon résumé, nice. Non mais c'est bien là, on prend un énorme lead là-dessus. Tu es vengé hein, tu es littéralement vengé. Ah puis du coup elle prend un stop dans son scaling. Là elle est absolument au fond. Du coup je vais aller l'attendre à son bleu, elle va pas s'amuser. Je le bolosse le casse maintenant, c'est ok. Tu me dis quand tu veux que je prenne un préo. Là je pars sur une petite phase de full farm donc t'occupe pas de moi. Il râle 20 secondes quand même, hein. Si on peut le faire assez vite c'est cool. C'est vrai que ça peut être un plan, mais moi je pensais plutôt aller choper l'Evelynn à son bleu. Mais bah ok, du coup on part sur Herald, ça me va. Je fais les loups et je vais Herald. Je peux prendre la prio quand je veux, donc je suis ok. Très bien, faisons comme ça. Ah, je lui casse le cumin. Ok, Evelynn elle est topside. Ouais. Elle est encore, elle a toujours pas vu ma pink, hein, la pauvre. Elle fait rien, tant que j'ai mon R, il peut. Mec, je vais la choper au corps main, hein. C'est juste parti. Vas-y, go. Non mais oui. Ok, elle a plus d'ult. Continue, hein, j'ai moyen. Elle a ult, non mais c'est bon, je lui ai fait lâcher l'ult. Moi j'ai absolument rien lâché. Nice. Donc bah, elle est juste au fond en fait. Hein. Je pense qu'elle ne s'amuse pas. Hop. Faut que tu ping Urgot pour qu'il prenne la prio. On se joue le raid là. J'ai l'impression qu'Urgot il s'en bat les couilles de toute façon. J'ai même un doute sur le fait qu'il ait pas lâché un petit muto là. Et en vrai, non mais t'inquiète, je le fais, le Herald, je suis 100% safe, si Maokai vient, je l'atomise, y'a aucun souci. Il a te cover au cas où. Puis s'il a des yeux, il verra que je fais le Herald, y'a aucun problème. Ça te fait face back, tu peux retourner bot side du coup. Mais en vrai, je pensais plutôt le lâcher top, moi. Non, mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je pense pas que ça va passer, ils auraient venu encore topside et vous allez mourir. Mais bien sûr que si que ça va passer, mec. Ouais, écoute, vas-y. Vraiment, si Evelynn a 2 neurones, ça passe pas, mec. Pourquoi ça passerait pas? Je ne comprends pas.
Ben, je prends. Moi j'aime bien les lâcher tôt les Herald parce que tu prends masse gold et du coup bah après t'es plus strong pour tout, pour tous les. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai pris la perspective en supposant que c'était des bons joueurs en face, ce qui n'est pas le cas. Oh là, quelle erreur. On est en platine mec hein, quand même. Bah normalement je suis platine. Moi je dois reset par contre, je vais le laisser s'amuser. Je vais rien prendre la blade, ce truc. J'ai 3000 gold en fait, il veut que je reste mais hop. Evelyn ou quoi? Ma pin toujours back. En place, hein, fidèle à son poste. Il faut qu'il back. Je fais un full clear et je prépare le drake dans 50 secondes. Vas-y, moi je reset juste après ma wave et je vais venir au drake tout de suite. Parfait, moi je veux vraiment qu'Evelyn n'ait pas de game. Hein. Elle a touché son bleu, je t'avouerai que c'est une petite déception personnelle, mais bon. C'est tellement un perso que je déteste ça, y'a rien qui me... C'est joué ici pour moi, détruire une Evelyn, c'est vraiment, je me régale. Bah écoute, je suis un gros joueur d'Evelyn, donc je vais rien dire. Très bien. Alors, j'ai un Urgot qui m'a pris le carab pour une raison mystérieuse. Je sais pas. Ah non, il voulait on va se rotate du okay, coup. Il a un bon motif. C'est validé. Mais oui. La petite sanguine bleue qui est validée là. Il y a un free kill Maokai. Allez, vas-y, j'y vais. Ça se mine. J'ai l'impression qu'il a ult un peu vite. Fais gaffe, attention. Il y a 4 ça, il y a 4 ça, il y a 4 ça. Ouais, bon, on va le tuer, t'inquiète. Je suis pas là, hein, si jamais. Ok, on va pas du tout le tuer. Bon, on va reset. On va rush le drake. Ouais, c'est bien. On fait une bonne phase de jeu avec Urgot. Qui... C'était pas dégueu. Ok, Evelyn au drake. Ouais, j'ai vu. Du coup, je suis un peu être voisin, malheureusement. Je vois pas comment je peux la compter. Non, bah, il y a la Rakan en dessous. Bon, après, c'est un océan, Osef. Hein, mais... Oh, le spawn. Mec, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pour ça que je voulais pas trop aller trop topside. Mais Urgot, c'est un faux furieux. Hein. Je le vois jouer depuis tout à l'heure, mec. C'est. Ah, c'est vraiment ça. Le mec, il a pas de limite. Hein. Tu veux qu'il ait vite trouvé ses limites. Quand il veut y aller, il y va, quoi. Il ferme les yeux, il fonce. C'est vraiment. Ah, j'aurais peut-être pas dû follow son call top parce que. Bon, cela dit, on a fait claquer de la TP avec Assadin, c'est pas mal. Mais là, du coup, je suis pas en position pour rush le raid d'Evelyn. Donc, Assadin, il peut plus jouer mine. Tu le détruis? Ah, je le détruis. Non, c'est pas mal. Pourquoi ils ont 6 kills en face? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la botlane qui full int? Ok, je me disais aussi. Pour changer. Bon, là, c'est dommage que je n'ai plus été là, mais je vais ravager la. Jungle de la Evelyn. Je vais tout prendre. On devrait jouer le mid en vrai. On peut le die sans souci hein, avec mon ult. Attends, déjà je vais essayer de prendre ce raid. Il y a une pink à clear. Mec, j'ai jamais vu une pink posée ici. Ah oui, c'est parce qu'il y a le Drake qui a enlevé les buffs. Ah, il y a un Maokai ici. Ok, j'arrive. Si des fois t'es en difficulté, je sais pas s'il te go in ou pas. Il y a le Kassadin. Okay. Je peux venir en mode si tu bait un peu. Non, je te les deux, je suis quasiment sûr que je te les deux en vrai. Ouais. Ok, vas-y, je te laisse faire ta life. Moi j'ai plus de mana, je vais prendre le bleu. Vas-y, de toute façon mon sizing est de pixel. Je vois ça, GG à toi. Je vais être un monstre après. Ah, c'est nickel parce que là, moi je vais avoir un mid game absolument colossal et quand je vais commencer à m'essouffler, toi tu vas faire du 1v9, donc ça va être parfait. Ah bah, de toute façon là, je vais quasiment reach level 11 déjà. Tu peux peut-être check le carap. Ça peut se faire. Je sais pas si c'est cohérent avec ce que tu comptes faire, mais ce serait pas mal. Je vais me faire pas mal, là, Evelyn. J'ai pas trop envie de mourir. Ok, moi j'ai le Kassadin qui me met son silence. Je peux push la il a fait le carré. Ah, vas-y, go. Parce que là, il y a moyen qu'on l'échappe en fait. Hein. Si Urgot il y met un. Mec, Urgot, je sais pas ce qu'il fait. Oui, c'est pas l'aide. En vrai, par contre, on lui prend la tourelle sous l'île, on est d'accord. Ouais, oui, complètement. Si jamais il agit, tu le tues. Bah, il se prend un stun. Un stun instant. Ah, ils ont pas de réponse là-dessus. Nice, good job. Let's go. Mais je sais pas, en fait, ils ont l'air full focus sur la botlane en face, mais du coup, on est en train de tout prendre partout ailleurs. Bah, en fait, le truc, c'est que leur botlane, on va l'acheter trop facilement, nous. Genre, ils peuvent rien faire contre nous, avec leur champion. Merde, j'ai fait nimp là, je crois. Je me suis fait bolos le gros, j'ai pas la stis. Putain, je suis un chien, je donne un gros corbin gratos. Vas-y, je vais prendre la tour top. Je back. Je peux TP sur toi si tu veux. Pas nécessaire, je pense qu'on va même laisser mettre la pression tout seul. C'est super nécessaire, mais. Si jamais. Du coup, si je joue AD, je vais partir.
Je suis au niveau. Là, il, sympa, il a essayé de me TP sous le nez, mec, mais j'ai calé le stun à la dernière seconde, c'était magnifique. Enfin, bah, ok, bah, ils sont overfeed en bot et puis ils gagnent les fights quand même. Nice. Ça n'a aucun sens. Je suis pas sûr que ce soit un bon fight, les gars, ça. Je suis pas convaincu. Avec notre bot lane, c'est des animaux. Hein. C'est... Il faut les considérer comme des PNJ contre nous. Hein. Il y a aucune autre solution. Dommage, pourquoi j'ai une Senna 4 kills qui me défonce la tête sans que je la touche là? Je vais la flash in par contre. C'est parce que c'est le but du champion, de ne pas pouvoir se faire toucher. C'est peut-être ça, effectivement, qui se passe. Je vais risquer. Derrière, je me sens à poil. Une fois que t'as les evolves, t'es trop stylé en vrai. Vas-y, je vais regarder ça. J'attendais d'avoir back. Ce swag permanent. De go Herald. Hein. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Ça fait un peu origami en fait. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais y avait des skins comme ça, Papercraft. C'est... Ouais, ils sont magnifiques. J'aurais adoré en avoir, mais... Il fait quoi, Urgot, là? Par contre, on y va, madame, il a 100 fois raison, j'arrive. Hein. Okay. Là, c'est, okay. Là, c'est du free kill. Le Maokai, je pense qu'il est tilt de ce que je l'ai mis tout à l'heure, déjà. Y'a moyen. Là, tu peux go in, si tu veux. Ouais, mais j'y vais, je veux juste pas lâcher le flash pour rien. Nice. Encore. Ok, bah c'est juste fin de game, nice. Bah GG à tous, hein. C'était un régal. C'est la fin. Bon, j'aimerais qu'elle me laisse ma... Oui, s'il te plaît. Allô, Kaïsa. S'il te plaît, madame. Je suis Herald, hein. Ça me ferait très plaisir que tu me laisses dans mes creeps. Kaïsa qui essaie de me la stit avec son petit 0-4, là. Et non. Mec, je lui mets 4 levels. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Notre bot lane, vraiment, on est 3, là, hein, mais ça me va, hein. Ça suffit, on dirait. Je préfère qu'on soit 3 à jouer, pour avoir une team full int. J'ai int. Nice. T'as int? C'est pas... Ah, j'ai int, ouais. Pas le meilleur moment avant un Drake Infernal. Je me suis fait OP, quoi. Je vais essayer de... Bon, par contre, le casse, ouais, non, c'est chaud. J'ai envie d'y aller, mais je me retrouve en 1v52, ça va être compliqué. Je pense que c'est pas la bonne idée. Je pense que je peux pas y aller solo, là. Par contre, Evelyne, what the fuck, leur placement. Elle a pas d'air, hein. Elle a pas d'ult, Evelyne. Mec, je les bolosse avec une force. Nice. Ok, bah ils sont 3 top, vas-y, fais. Mec, ce champion, c'est insupportable par contre, no joke. Hein. Ah bah écoute. Fallait t'y attendre, hein. Bon, c'est bien de faire un 3-1 quand même. C'est la bonne strat pour split, là. De toute façon, mon mec, je suis en train de partir dans ma game là, je suis inarrêtable, hein, c'est fini. En plus, le Rakan il fait un très bon taf, c'est très agréable de jouer avec lui, il me permet d'aller chercher les kills très facilement. Je le suis quand il veut. Hein. Si je joue AP, je te dirais bien que j'ai de pile, mais non, je joue AD donc. Franchement, hein. Continue à fight. Non, j'ai cancel. Derrière moi. Tu gagnes. Hein. Vas-y, go. On se barre, non? Mec, c'est trop risqué, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Y'a l'ult, hein? Ult-moi. C'est fait, c'est fait. Vas-y, lâche tes dégâts. Ah, c'est raffine, gros, ingérable. Oh putain, elle a eu un heal, ah, dommage. Bon, c'était quand même pas trop dégueu comme fight, hein. On leur a fait claquer beaucoup, ah bah, les abos. Ouais, j'ai 2200 gold là. J'ai pas envie de lâcher un, je sais pas où était notre team, mais. Notre quoi? J'ai pas envie de lâcher un, je sais pas où était notre team, mais pas loin. Non, quoi. Mais notre quoi? La Kaïsa, je sais pas comment elle est morte. Hein. J'ai pas compris ce que t'as dit. Notre quoi? Laisse. J'ai déblété un peu trop. Eh oui, je te taquine. Je faisais du. Pour toutes les fois où tu m'attends sur mes lives, t'inquiète que je peux me venger un peu. Ah bah écoute, vas-y. Hein. Après, si tu veux partir en full. Là, je me retiens parce que t'es en train de. Ouais, ne fais pas ban ma vidéo, s'il te plaît. Ah, mais j'ai un Herald sur moi. Pourquoi j'ai 9 kills? Qu'est-ce qui se passe? Je peux aller te prendre ton blue ou pas? Oui, bien sûr. Oh là. Avec tes belles ailes, envole-toi. Rien. Incroyable. Trop beau le skin. Ouais. Non, vraiment, En plus, j'ai pris un chroma sur celui-là. Donc, je suis plutôt content qu'il soit beau. Bon, j'essaie de rush mon level 16 là. Que je puisse juste déchirer tout le monde. Je crois que vu comme c'est parti, là, la partie va être terminée avant ton level 16. Hein. Je veux pas te décevoir, mais. Bah, juste me mettre en split. Hein. Cela dit, on est que en 16-14. Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu les autres. Mais... En vrai, on troll pas mal. Donc... Bah écoute, moi ça va, mais d'autres oui. On troll. Avec le Maokai, ouais, j'arrête pas de le bolo, s'il doit devenir fou. Par contre, là, j'ai besoin d'aide. Je suis. Putain, je peux pas lui mettre d'auto. Ultima.
Pas d'ulti, pas d'ulti. Ah, j'ai surtourné en me disant ça va le faire. Allez, j'aurais juste dû courir et on les défoncer. Putain, je suis trop deg, mec. J'ai surtourné en mode c'est bon, je suis ult 100%, y'a aucun doute. T'avais dans une seconde. C'est la boulette. Ah putain, ouais, bah il badin. J'aurais peut-être dû ouvrir les yeux. C'est vrai qu'il y a... Ça aurait fait un move insane. Mais putain, les Evelynn, c'est tellement frustrant. Quand le côté où tu lui mets juste l'auto, tu la termines et tu peux pas en fait. C'est un peu. C'est un peu désagréable. Bon, on fait nimple. Mec, le Urgot, il aime bien jouer sans mana, le Urgot. Hein. À chaque fois que je le vois all-in, il est en 1v3, il a pas de mana. Mais bon. Il joue Urgot, donc il est safe, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, ça n'a aucun sens. Il vient de prendre la plante, là, il retombe dedans. C'est n'importe quoi. Il joue déjà de base, il joue. Non, mais je pense qu'il est bourré, drogué ou je sais pas quoi, mais c'est très très grave. Ce qu'il nous propose là, c'est. Bon, là, faut qu'on arrête de faire nain parce que sinon on va se faire comeback. Bah oui, hein, c'est un peu le problème. Vas-y, je vais repartir en mode full split push, prendre les inhibs et ça va le faire. Vas-y. Non, mais juste, va pas trop loin, parce que là, t'étais un peu deep et y'a pas de vision autour. Non, mais je suis deep, mais c'est juste que j'ai fight en fait. Mais si je veux courir, mec, j'ai full mobilité, je me sors de n'importe quelle situation en 2 secondes. Ça marche. Alors là par contre, mec, ils sont tout le temps 4 en fait en face et nous, nos alliés sont tout le temps morts, c'est un peu compliqué pour fight. Ah bah faut jouer comme si on était à 3 là. Ouais, exactement. Ah, je sais pas s'il y a de la vision par ici. Ok, il y a que 5 qui me remonte dessus. Il est bien le Cassana en vrai. Ouais, je viens de rater la Senna, mec, je sais pas comment je me suis démerdé. Mais... C'est absolument abominable. La finale est toujours là. Ça, mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Pourquoi elle est là en fait? Pourquoi elle est là alors qu'ils sont tous ensemble? T'inquiète, focus-toi sur nous, de toute façon on peut pas contrôler nos mates. Et 0-12 la botlane là, faudra quand même expliquer. Et ben, écoute, ça arrive hein, j'ai déjà vu pire. Je pars en mentalité. Le modèle, je crois. Il faut hard carry, je prends tout. Ouais, go. Y'a Cassandra ici et Maokai ici. Ah, mais arrête de fight, non, tranquille, tu safe. Safe. Laveline. Oui. Ah ouais. Pardon, elle est passée où? Mec, Evelynn a disparu sous mon nez. Ouais, après genre 3 secondes ou 4 secondes, alors elle devient invisible. Non, mais c'est pas 4 secondes, elle a ulti et instant elle devient invisible. J'ai aucune des deux, elle est passée. C'est hyper tiltant, c'était free kill, je ne sais pas où elle est. C'est absolument horrible. Mec, ils sont tout le temps 4 là où je suis en fait, c'est incroyable. Il bouge beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut faire un 3, c'est ce que je dis. Bah ouais, il faudrait mettre de la pression un peu ailleurs. C'est ce que j'ai de faire, mais... Il faut se barrer, par contre. Il faut se barrer... Ok, Evelynn est là. Alors là, par contre, ça fight. J'allais dire let's go, mais en fait, ils sont tous morts le temps qu'on arrive, évidemment. Ah non, je vais crever, mec. Personne n'est là. Elle a plus d'ult, elle. Juste ah, c'est pas de chance quand t'as pas d'ult, hein, même petit, tu te mets pas invisible sans raison en 2 secondes. Par contre, ils ont encore un infernal là. Ok, non, c'est bien, faut qu'on y aille. Ok, là, je split. Faut qu'on y aille, j'arrive. On my way. J'ai cancel mon auto, mes NP, je prends le kill au tigre. Nice. Ok, good job, bien joué. Et c'est le Tarik. Le Urgot, mec, il dit, regarde lui, il est en train de devenir fou. Je pense qu'il est en train de péter un câble intérieurement, le mec. Bon. J'ai encore 3000 gold. Bon. Il a eu le top, il m'a tempo. On pourrait nash en vrai bientôt. T'es en train de te mettre bien en farm, toi le monstre est en train de grandir, c'est ça? Bien, là. Vraiment, je suis fed de chez fed. Par contre, ça fight vénère sur cette game, hein. Je peux te dire que ça perma... plus de 42 kills en 20 minutes, quoi. C'est... tout va bien. Hein. Quand je reviens, je prends le loup. Oui. Ok, je suis plutôt bien, là. Je vais essayer de finir ça assez vite, comme ça je pourrais de la sustain. Mec, je suis huge, hein. Là, je suis très très huge. Ouais, je vois ça, ouais. Tant mieux. Je dirais même que je suis hugissime, si je peux me permettre ce néologisme. Moi je crois que je fais une petite Ginzo quand même pour la peine d'armure parce qu'ils sont en train de stack de l'armure. Je sais pas comment tu joues ton Odir. Sur moi, mec, je suis full AD, mec. Je suis full AD et, ouais, alors je vais te prendre un truc, on peut pas avoir plus que 2,5 d'attaque speed et si tu veux, j'en suis déjà très proche donc je ne peux pas prendre une Ginzo. Non, je disais ça pour le passif de la Ginzo qui fait de la peine d'armure parce qu'il stack l'armure là en fait. Ouais, mais t'inquiète. T'inquiète. De toute façon, moi je suis là pour mettre de la pression, la mobilité. De toute façon, les dégâts dans les teamfights, c'est toi qui vas les faire maintenant. Donc. Au revoir. Je te fais confiance, là je pense que.
Gros, il y a Kaïsa qui me sort un Udyr Please quand même, hein. C'est... On en okay, est là. Je suis inarrêtable en fait. Ok, nice, Ganache. La Kaïsa qui me sort continue, un Udyr Please, speed, hein. J'hallucine. Ouais, je check juste le bleu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Toujours intéressant qu'il me là, je vais chercher l'inhib, hein, je pense. Hein. Si ça permet un fight encore vite comme ça. Ah mais elle int en fait, ok. Ah ouais, non mais notre botlane mec ils sont ravagés hein. Ils veulent pas faire nage en fait. Tant pis, je veux mettre la pression mid. Le Urgot il full tilt mais il joue, donc ça c'est cool, il a quand même une game plutôt correcte. Il fonce dans le tas mais comme il a le perso qui permet ça quelque part c'est pas plus mal. Ah, par contre je vais crever là. Ouais, allez hop là le petit mec j'ai tout dodge, je suis juste incroyable. Oh juste cours, on met la pression. Ils m'ont tout lâché, il y a plus d'ulti sur Seraphine, je crois que c'était l'ulti hein, son espèce de truc chelou là. Je connais pas bien ce bordel mais là, c'était stylé. Mais j'ai un item encore si je back là. Vas-y, en vrai, je vais continuer à mettre de la pression. Vous fightez ou pas? Vas-y, non, non, on tient juste la pression. Je continue mon split. Hein. On gagne. Je peux arriver par derrière éventuellement. Vas-y, je suis là en flank. On gagne. Peut-être quelque chose à récup. Bon, je vais chercher les items. Vas-y, j'appelle stop. Vas-y. Non, mais j'attends ma vague de sbire. On pourrait dash, hein, on a free dash là, mais. Je pense qu'on peut juste prendre des tours en vrai. Bah, je pense qu'on peut presque finir. Hein. Je sais pas. Faut pas se précipiter parce qu'on peut quand même se faire retourner assez vite. J'ai tout là, j'ai plus de flash, pardon. Je pensais que j'avais. Inhib et Nash, hein, inhib et Nash. Vas-y, saute-moi dessus toi. Ouais. Bah, Gonash, hein. Ou reset peut-être. Non, Gonash. Tout le monde est safe, c'est bon. Faut pas qu'on perde la tempo là, qu'on finisse vite. Ouais, j'avoue que là le timing est parfait. Il y en a encore deux morts en face. Je pense pas qu'ils ont été ward, hein. Ils sont pas venus ici depuis un moment. Bon, de toute façon, on a la pink, on a le debuff, le deward, c'est fait. Je suis niveau 16, c'est fini. T'as ta Ginzu? Non. Bientôt, ouais. Tu fais une Kayle AD, c'est chelou, non? C'est pas genre plus hybride normalement? Alors en fait, le truc, Kayle, c'est que tu peux jouer hybride AD AP. Là en l'occurrence, vu que j'avais un Kassad en face, je préférais go AD en fait. Ah, si je mets des crits sur Kassad, il pourrait juste pas jouer en fait. Je vois. Donc voilà le raisonnement. C'est quel incroyable mind game que tu me proposes, je suis ébloui. Ah bah juste incroyable. Ça qui est bien Kel, c'est que c'est très versatile, du coup tu peux jouer n'importe quel build en fait. J'apprécie. On fait quoi? On fait un all ouais, top ou... Toi juste va Drake, nous on va pression. On joue le prochain Drake, moi je vais essayer de faire des catchs, en vrai j'aime Biden, alors jungle, j'ai essayé de choper quelqu'un. Là je suis une machine de guerre, gros, je croise n'importe qui, ça fait un kill instant. Réussi. Bah voilà. Evelyne là, si elle va le choper. Quand on parle du loup, petite Evelyne qui va se prendre ce qu'elle mérite. Non, il est mort le moguet. Let's go. Nice. Voilà. Plus d'air sur. Ah, mec. Sur Seraphine. On peut juste courir et finir. Détruire une Evelyne, ça me procure un plaisir si tu savais. Ouh, elle pique là. C'est nain. C'est magnifique. Vous vous en sentez, ouais. Faites gaffe à Senna. Mais attends, mais il y a un Friedrich en fait, qu'est-ce que je fais moi? Ouais, go. Vas-y, je prends la vague de sbire et j'y vais. Bon, vous les atomisez de toute façon, je pense. Ouais, ça sent unique là. Bon, au final. Je crois que c'est ce qu'on peut appeler une game plutôt clean. Plutôt pas mal simple. Quoi. Petit Drake Infernal, bon, vous finissez, je pense. On va mettre un petit GG. Attendez-moi! Nice! Ok, voilà qui est fait. En ce moment, tu peux mettre ton putain clic. Super carry! Bon, super carry, vous dire. T'as la game pour maintenant? Oula. Tu sais, avec Udyr, c'est très très souvent comme ça mes games. Hein. Tu regarderas mes stats si tu veux. C'est. J'ai l'habitude. Ouais, je vais mettre un sang-froid à Urgot qui n'a pas du tout tilt. GG à lui. C'était un gameplay très apaisé qu'il nous a proposé. Évidemment, viens voir les stats. J'ai combien de dégâts et de gold? Bon, gold, je suis à 16 500. Ah, j'ai un petit 13-2 level 18 quand même. Hein. C'est pas mal. Moi, ce que je veux voir, c'est les dégâts totaux infligés. Mec, mais total des dégâts infligés, tu vas voir.
c'est quelque chose. Attends, t'as full farm, hein. Attends, je vais voir. Je me régale, évidemment. Total damage dealt. Ok, alors. Ah ouais, bah ouais, hein. Eh oui. Normal. Eh oui. Full farm. Bon, écoute, je stoppe là, je balance ça sur YouTube, et puis si tu me vois quoi à l'occasion, n'hésite pas à me proposer de duo, ce sera avec plaisir. Ça marche, on fait ça. Et bonne soirée à toi, et à plus tard. Bonne soirée à toi, mec.